Yasmina, juste avant le Covid, avait organisé une petite soirée de gens là. Et là, elle me dit, je réorganise encore quelque chose cette année. Donc, je n'ai pas eu beaucoup à me pousser pour y venir. Et il se trouve que là, je suis dans le coin. Donc, voilà. Moi, je commence à me sentir chez moi par ici. Ce qui m'a amené ici, c'est quand même le festival. Donc, être au festival, venir voir ses amis. Là, je revois Fiona, je revois Sophie. Je ne sais pas encore qui va arriver, mais on se connaît tous, on se tombe dans les bras, on est content de se voir, on se rappelle des souvenirs. Je viens de voir le comte de Boudherbala, hier soir j'ai eu Madénian. J'ai fait des soirées ici avec des vieux potes, il y a Gustave Parking qui est là, le pape, Gad qui est passé. L'année dernière, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'étais là avec Obispo, avec plein, il y a plein de monde. Tout le monde passe et repasse ici, et rapasse aussi. Mais c'est pas les mêmes. Le poème que j'ai lu ce soir, c'est... Le poème du jardinier, parce que mon père était fou des fleurs et des plantes. Et j'ai choisi le sang de Musson. J'ai aussi un poème de Passeport délayé. Parce qu'il parle de Cosmos, il y a aussi Manuel et Fiona, il y a Zazie, il parle de toute la famille, de ses petits-enfants. Il y a un poème sur mon fils qui s'appelle Milan en l'an 2000. Il y a Xavier. C'est, en fait, ce recueil de poésie regroupe toute la famille Gélin et c'est ça qui m'intéressait. Puis je lui avais promis, c'est chose faite. Et en plus, à Avignon, c'est mon premier festival d'Avignon et j'en suis ravie. Mais bientôt, un poème s'apprête dans mon sang, jusqu'au mal, à la peine, à l'abîme, à l'effroi. Et quelques brises tendres, ma jungle aura du cœur, c'est mon enfance même. Et mon bon dévouloir. Je veux pas l'Amérique. C'est un lieu d'échange et de rencontre où les artistes peuvent se faire connaître et permettre à des acteurs culturels de fréquenter en fait des acteurs économiques, des personnalités locales. Parce que l'association Planète Bleue est une association avignonnaise qui a pour but de découvrir des talents et de valoriser des artistes. On peut dire que c'est une soirée réussie. Nous, tout ce que nous faisons, c'est avec beaucoup de cœur. On le fait avec beaucoup d'énergie depuis 22 ans déjà. Et voilà, on aime nos artistes, on aime les gens. Et organiser un temps fort dans le cadre du Festival d'Avignon pour une association comme la nôtre, faire un joli partenariat avec la Fondation Louis Voulan, présidé par Frédéric Voulan. Voilà, je crois que tout est gagné pour l'association. On a passé une excellente soirée, je pense que le public aussi. C'est tendre, c'est doux. En plus, la lumière est belle, ça fait un petit côté sépiacé. C'est très agréable, je dirais que c'est une soirée délicieuse. Je suis sur la ligne de départ. Donc si Yasmina participe à cette ligne de départ, ce sera parfait. Parce que quand je démarre, moi, j'emmène du monde avec moi.